Ich hab keinen Fuß! Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je suis soufflé, je suis monté à pied. 4 étages. 88 marches exactement. Un dénivelé d'environ 22-23 mètres à la louche. Et j'ai grimpé ça en 28 secondes et 73 centièmes. Pas mal pour un quinca, hein. Il n'est pas encore pourri le vieux. Et pourtant, je passe 10 heures par jour le cul vissé dans mon taxi. Comme entraînement, on fait mieux. Fils de pute! Quoi? T'en répètes un peu pour voir ce que tu viens de dire? Non, j'arrive ou tu viens de traiter ma mère de pute? Non, je veux bien vouloir accepter mes excuses. Je ne le fais pas exprès. Ouais, voyons, d'abord tu traites ma mère de pute, après tu t'excuses, hé papy. Tu t'es jamais pris un gros pain dans ta gueule? Non, encore une fois, je vous prie d'accepter toutes mes excuses. Je suis victime de ce que les spécialistes appellent le syndrome Gilles de la Tourette. Oui, je préfère des insanités et je fais des gestes obscènes sans le vouloir. C'est pas de ma faute, ça sort de ma bouche malgré moi. Sans déconner. Eh non, je vous jure que c'est la stricte vérité, j'ai ça depuis l'âge de 11 ans, j'en ai 73, alors vous voyez, ça fait des décennies que je consulte, mais enfin, que cette maladie ne se guérit pas. Enfin, ça peut se guérir, si on s'y prend tôt, mais à mon âge, mets-toi ça dans le cul. Eh ben, vous voyez, c'est sorti tout seul. Ça, mon pauvre monsieur, excusez-moi si j'ai mal réagi, mais je pouvais pas savoir. Rassurez-vous, ce genre de malentendu m'arrive tout le temps. Mais ça doit être terrible à vivre, un truc pareil. Oui, c'est pas évident, c'est vrai, bon, avec le temps. On finit par prendre l'habitude. Quel bâtard! Oh, excusez-moi, mais alors là, j'ai une petite crise. Oui, je vois ça. Oui, c'est pour ça que j'ai pris un rendez-vous avec ce grand spécialiste, qu'est le docteur Stern. Il paraît que c'est l'un des meilleurs au monde. Ah, pas l'un des meilleurs, le meilleur. Enfin, d'après mon toubib, il fait 13 mois et demi d'attente pour décrocher un rendez-vous. 13 mois et demi. Vous vous rendez compte? Ça fait 410 jours, 9 840 heures, 590 400 minutes, 35 424 000 secondes. Ah, il se mouche pas que le dos de la cuillère. Effectivement. Hein. Et en plus, il ne voit jamais un patient deux fois. Oui, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Oui, toujours d'après mon toubib, avec sa technique, un seul rendez-vous peut suffire pour décoincer un gros blocage. Eh oui, il paraît. Enfin, dans mon cas, hein. J'espère surtout arriver à diminuer mes convulsions, parce que pour ce qui est de la guérison... Ça, mon pauvre monsieur, je suis désolé pour vous. Ah non, sincèrement. Fred, je m'appelle Fred. Enchanté. Moi, c'est Vincent. Content de vous connaître. Vincent. Moi, le maire. Et la nuit? Quoi, la nuit? Ça vous le fait aussi? Ah ben non, heureusement, la nuit, je dors. Hein. Oui, d'accord, mais dans vos rêves, vous avez des crises ou pas? Ah ben non, et vous, quand je dors, alors, hein, je suis le plus poli des hommes. Ah ben, c'est déjà ça. Et vos insultes, là, ça vous le fait combien de fois dans une journée? Ah ben, je sais pas, j'ai jamais compté. Non, mais en moyenne... Ah ben, non, je vous dis, j'ai jamais compté. Attendez, vous avez 73 ans et vous m'avez dit que ça vous a pas l'âge de 11 ans, cette histoire. Mm-hmm. Donc, ça fait 62 ans que vous souffrez de ce truc-là et vous n'avez jamais eu la curiosité de savoir combien de fois ça vous le faisait par jour. Non, en effet, je reconnais que ça ne m'a jamais effleuré l'esprit. Bon, attendez, je vais vous le faire, moi, le calcul. Bon, en plus, il est simple. En 5 minutes, vous avez eu 6 crises. Ce qui nous fait 72 fois par heure, que je multiplie par 16, puisque je compte que vous dormez 8 heures par nuit, donc ça nous fait 1152 insultes par jour, à la louche, bien sûr. Ah, quand même! Et c'est pas fini. 1152 multiplié par 365 font 420 480 gros mots et doigts d'honneur par an. Oui, vu comme ça, ça devient très impressionnant. Et je termine, 420 480 que multiplie 62, ce qui nous fait depuis le début de votre maladie, 26 069 760 insultes et gestes déplacés. À la louche. Non, exactement. Fiche-toi bleu! Il y en a des softs aussi. Oui, heureusement. Et sans indiscrétion, faites quoi comme métier? Parce que je vous imagine mal prof de maths, VRP ou un truc comme ça. Hein. Mais... vous avez raison. Hein. Non, jeune, je rêvais d'être enculé. Oh, pardon. Non, mais il n'y a pas de mal. Hein. Je rêvais d'être avocat. J'aurais adoré faire de belles phrases, des effets de manche pour défendre les innocents injustement condamnés, mais avec ma maladie, non. Vous imaginez la tête des jurés avec un avocat qui crie en pleine plaidoirie. Oh, ben, je vois le tableau, oui. Monsieur le Président, messieurs les jurés, fils de pute. Oui, ça ferait des ordres, c'est sûr. Alors du coup, je me suis rabattu sur une activité que je pouvais exercer seul chez moi et j'ai créé une petite maison d'édition que j'ai très bien vendue d'ailleurs, oui, il y a 2 ans. Et à présent, je suis à la retraite. Et vous? Eh ben moi, je vous l'ai dit, je suis taxi. Ah non, je voulais dire, et vous, qu'est-ce qui vous amène ici? Ah, eh bien, enfin, figurez-vous que d'après ma femme, j'aurais l'obsession des chiffres. Oh, ben j'ai pas remarqué. Remarquez-moi mon toc, comme ils disent, moi je vis très bien, hein, mais c'est ma femme qui supporte plus. D'ailleurs, c'est elle qui m'a pris ce rendez-vous. J'assoule trop avec mes chiffres, mais c'est plus fort que moi. Faut que je compte tout et n'importe quoi du matin jusqu'au soir. Alors pour elle, c'est un enfer, mais pour moi, c'est comme qui dirait un loisir. Eh oui, d'autant plus que votre handicap, enfin, si handicap il y a, vous rend extrêmement brillant, hein, car vous comptez à la vitesse de mon cul. Oh. Pardon.
Je voulais dire à la vitesse de la lumière. Vous voulez me faire plaisir, Fred? J'en serais ravi. Arrêtez de vous excuser à tout bout de champ. J'ai très bien capté que vous ne faisiez pas exprès. Et même si tout à l'heure j'ai failli vous mettre un bourre-pif, à présent je comprends parfaitement la situation. Merci, Vincent. Et attendez, c'est pas tout. Mm-hmm. Toujours d'après ma femme, j'aurai aussi la maladie du stockage. C'est-à-dire? Ben en fait, je collectionne des trucs, mais enfin, sous prétexte que ces trucs lui semblent inutiles, elle m'a demandé d'en glisser un mot au toubib, parce qu'elle voudrait tout bazarder. Et vous collectionnez quoi exactement? Oh, plein de choses. Des capsules de bière belge, des bouchons, des boîtes de conserve un peu rares, enfin des trucs quoi. En fait, vous collectionnez tout ce que les gens jettent à la poubelle. Ah non, Fred, pas vous, hein. Ma femme, d'accord, mais vous allez pas vous y mettre aussi. Oh, pardon. Ah, qu'est-ce qu'on avait dit? Ah, mais non, là je m'excusais pour ma remarque. Ok, alors ça va. Uh-huh. Et vous êtes marié aussi? Ah non. J'ai failli une fois, mais finalement ça ne s'est pas fait. Isabelle, elle a dû avoir peur que j'insulte le curé au moment de dire oui. Remarquez, au fond, je la comprends. Hein. Moi-même, à sa place, j'aurais peut-être annoncé aussi. C'était pas facile pour elle, pour la famille, pour les enfants à venir, pour les amis, pour le. Oui, enfin bon, bref, c'était pas facile. Et vous avez des enfants? Deux. Vous voyez, c'est pas le calcul de la journée. Hein. Ben deux, c'est tout con comme chiffre. En même temps, vous pouviez pas en faire des millions. Ah, potentiellement si. Tiens, vous savez combien un homme lâche spermatozoïde pendant une éjaculation? Dans ton cul? Oui, là ou ailleurs, ouais. Bon, combien? Allez, je laisse une marge d'erreur à 10 millions près. Et franchement, j'en ai pas la moindre idée, mais j'imagine que ça doit être beaucoup. Mais c'est plus que beaucoup, c'est monstrueux. À raison de 60 millions de spermatozoïdes par millilitre. Et en sachant que chaque éjaculation oscille entre 2 et 5 millilitres, ça nous fait entre 120 millions et 300 millions de spermatozoïdes. Alors voyez un peu le génocide à chaque branlette. Bonjour. Bonjour. Il serait peut-être judicieux de changer de sujet de conversation. Ah ben moi c'est comme vous voulez, moi je suis taxi, alors je peux vous tailler une bavette sur n'importe quoi. Hein. La politique, la météo, le foot, la pêche. Y a un problème? Non, c'est pour les microbes. Excusez-moi, vous savez où je trouve la salle d'eau? Pas du tout, désolé. Je crois que c'est la porte juste à droite, dans le couloir. Merci. Chérie de merde! Je ne m'excuse même pas, hein. Bien, Fred. Vous avez vu la maniaque? Eh ben, ma femme, c'est pareil. Tant qu'elle a pas tout briqué à fond, elle peut pas se détendre. Même à l'hôtel, elle fait le ménage. C'est tout juste si elle fait pas la plonge quand on va au resto. Mais vous savez que c'est un toc, ça aussi, que tout nettoyer. Ah bon? Mais absolument, ça s'appelle... Mais attendez, parce que depuis le temps que je consulte pour moi, j'ai fini par apprendre des choses sur d'autres tocs. En plus, j'ai imprimé tout cela l'autre jour sur Internet. Eh ben voilà, je l'ai. Alors, ça s'appelle des rituels de lavage. Ah, attendez, je suis sûr d'avoir un autre nom encore beaucoup plus compliqué. Mais bougez pas, hein. Je vais vous le retrouver. Hein. Bah plus tard, lave-la. Le docteur n'est pas là? Ah, je ne sais pas, madame, j'attends. Moi aussi, depuis maintenant 750 secondes. Bah, je vous dis ça à la louche, hein, j'ai pas regardé. Encore? Bougez pas, je vous cherche le nom. Hein. Oh, la salope! Désolé, celui-là, il est pour moi. Dis donc, c'est contagieux, votre truc, là. J'espère qu'elle m'a pas entendu. Hein. Vous voyez que c'est gênant. Ah bah oui, sauf que moi, j'ai pas l'excuse de la maladie. Enfin, si jamais elle m'a entendu, je faut toujours lui dire que moi aussi, j'ai chopé le syndrome Robert de la Gerouette. Non, Gilles de la Tourette. Oui, oh, j'étais pas loin. Mais dis-moi, pourquoi vous insultez cette pauvre dame? Mais je m'insultais pas elle, je pensais à ma femme. Elle m'a tanné très exactement 82 fois avant que je craque et que j'accepte ce rendez-vous à la con. Mais si ça se trouve, c'est elle qui est malade. Et c'est elle qui devrait être là à ma place, aujourd'hui. Attendez, voilà, j'ai trouvé, ça s'appelle nosophobie. Nosophobie? Oui, nosophobie, crainte exagérée d'attraper une maladie. Oh, d'accord. Et pour moi, c'est quoi le nom savant de mon truc? Pour vous? Ah, mais attendez, je vais vous le dire. Alors, voyons, pour vous, c'est arythmomanie. Ben c'est quoi ça? Arythmomanie, personne qui compte en permanence dans sa tête. Merde! Ben je suis vraiment malade alors. Bonjour. 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 Ça sent la pute! Ah, Seigneur Marie-Joseph! Mais je
Madame Jupri de bien vouloir m'excuser, madame. Ça va pas bien, la tête. Vous êtes sous l'emprise de l'alcool ou quoi? Non, attendez, faut pas se fixer. Fred est un ami, mais il a un petit problème. Il dit des gros mots, il fait des gestes obscènes, sans le vouloir. Ah oui, c'est le syndrome Gilles de la Tourette. Exactement. Ah bon, vous connaissez? Oui, un peu, j'ai vu plusieurs reportages à la télé où ils en parlaient. Pas vous? Non, jamais. Faut pas le nez. Maintenant, Fred, vous allez pas commencer à vous excuser, puisque je vous dis qu'il le fait pas exprès. Alors arrêtez votre numéro de bigote. Parce que là, vous culpabilisez mon ami, qui est tout simplement malade. Le docteur n'est pas là. Non, pas que je sache, mais je suis là depuis juste 2 minutes. Non, 4:15. Le docteur n'est pas là. Je sais pas, ma bonne dame, moi j'ai mis 13 mois et demi pour avoir un rendez-vous. Je suis plus à 5 minutes, hein. D'autant plus que je bosse pas avant ce soir, alors ça va, mais j'ai le temps. Le temps de chier de la merde. C'est pas vrai, ça va pas recommencer. Puisque je répète qu'il le fait pas exprès. Faut vous dire en quelle langue, en javanais. Mais moi non plus. Quoi? Je le fais pas exprès. Oh putain, mais on est où là? Vous pouvez me passer le pèlerin? Le quoi? Le pèlerin, là. Ah! Oh! Merci. Et vous savez où c'est? Oui, merci. Ça fait 3 fois. Ça doit en bouffer de la savonnette. Tiens, je suis même curieux de savoir combien l'on consomme par an. À la louche, je dirais entre 175 et 210. Vous croyez qu'elle garde les boîtes? Je sais pas, mais c'est possible. Pardon. Bonjour. 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 Vous aussi, vous avez rendez-vous avec le docteur? Oui, oui. Mais il a pris combien de rendez-vous aujourd'hui? Ben, si ça se trouve, éteindre la lumière, hein, c'est peut-être ça qui les attire. Oh mon Dieu, la lumière! Ah non, j'ai oublié d'éteindre chez moi! C'est ce que le diable j'ai fait! Et le gaz! Quoi, le gaz aussi? Oui! Peut-être, sûrement, je ne sais plus, oh Seigneur! Il y a 3 personnes avant moi, c'est ça? Oui, vous êtes la 4e par ordre d'arrivée, mais si vous avez un problème chez vous, moi, je veux bien vous céder ma place. Hein. Si ça peut éviter une explosion, c'est de bon cœur. Mais je vous préviens, je ne suis que le 2e, monsieur est avant moi, et la petite dame qui est tout le temps aux toilettes après. Ah ben, et moi, je ne suis pas pressé non plus. Alors, si ça vous arrange, je peux vous céder ma place aussi. Ah, merci, monsieur. Vous êtes bien aimable. Ah, ah vous voyez, je vous l'avais dit qu'il était très gentil. Suce ma bite! Oh, Seigneur, Marie! N'empêche qu'il est gentil quand même. Bon, surtout le prenez pas mal, hein. Fred dit des gros mots comme ça, mais il le fait pas exprès. D'accord. Culé! Et dès que Fred dit des gros mots, la dame, là, fait des signes de croix. J'ai vu. Vous voyez, quand on a les clés pour décoder, tout est simple. Oh mon Dieu, mes clés! Mais à quelle heure le docteur va-t-il nous recevoir? Il va arriver combien de gens encore? De toute façon, il reste plus qu'une chaise. Alors, si après il en vient d'autres, il faudra les prendre sur les genoux. Ça, c'est hors de question. Moi, je suis pas venue ici pour attraper une mycose ou quelque chose comme ça. Mais non, mais je déconne. Je déconne. J'avais compris. Ah, merci, mon Dieu. Je les ai. Oh là là, Jésus-Marie, si jamais quelqu'un sonne chez moi avec le gaz ouvert, ça va faire une catastrophe. Non, mais pardonnez-moi, mais avant de partir, vous avez vérifié si votre gaz était fermé ou pas? Oui. Enfin, je crois. D'habitude, je vérifie toujours, plusieurs fois même. Et combien de fois exactement? Mais je ne sais plus, mais beaucoup. Plus de 10 fois? Ah oui, beaucoup plus. Et combien, la louche? Je ne sais plus, je dirais entre 20 et 30 fois minimum. Alors, tout va bien? Vous croyez? Mais oui, rassurez-vous, si vous avez vérifié 30 fois, c'est bon. Et à partir de 1 fois, c'est bon. Alors, pensez. Trente, c'est très très bon. C'est bon, le fion. Bon, allez, on se calme, allez. Bonjour. Bonjour. Ah, voilà notre 6e chaise. Bah, entrez, n'ayez pas peur, on va pas vous manger, hein. Oui, j'imagine bien. Ah, juste, je vous préviens un truc avant que ça ne provoque une embrouille. Notre ami Fred dit tout le temps des gros mots, mais il ne le fait pas exprès. Et vous avez rendez-vous avec le docteur Stern, vous aussi? Bah oui. Mais qu'est-ce que
ça veut dire, tous ces rendez-vous? Il n'a jamais été question de thérapie de groupe, que je sache. Ben non, je crois pas, non. On vous a dit que c'était une thérapie de groupe, à vous? Non, non. Je vous encule tous! Ah, celui-là était beau, il a bien claqué, là. Oui, mais je sais pourquoi. C'est l'idée de thérapie de groupe qui me stresse. Vous savez, en plus de 30 ans de consultation, j'ai toujours été seul avec les médecins. Je ne veux pas que ça change. Non, mais je vous comprends, moi, c'est pareil. C'est déjà pas facile de parler à une personne qu'on connaît pas, mais devant d'autres gens en plus, merci bien. Bon, allez, on se calme. Si ça se trouve, on s'énerve pour rien. On verra bien ce que nous dira le grand docteur Stern. Il veut toujours pas rentrer, jeune homme? Si, je veux bien. Ben, venez, votre chaise vous tend les bras. Non, mais c'est les lignes. Ben, quoi, les lignes? Les dessins, là, sur le sol. Je marche jamais sur les lignes, jamais. Il y en a partout. Eh ben, sautez par-dessus, mon vieux. Il y en a jamais que 172. C'est-à-dire que j'ai peur que les gens se moquent. Ah, c'est ça. Et vous êtes moqué de Fred tout à l'heure, quand il a crié une cochonnerie? Bah non. Et vous allez vous moquer de moi si je fais un truc qui vous paraît un peu anormal? Non, bien sûr que non. Pareil pour les dames qui sont là? Oui, bien sûr. Oh, moi, vous savez, je viens pour une amie qui ne peut pas se déplacer. Mais personnellement, tout va bien. Eh oui, bien sûr. Tenez, prenez ma chaise, ça vous fait moins de trajet. Quand je vais rentrer. Mais non, avec un peu de chance, tout aura sauté avant. Vous n'avez pas vérifié vos robinets avant de partir? Ah, mais si, plusieurs fois. Mais quand même, j'ai peur d'en avoir laissé un ouvert. Bonjour. Oh, la pute! Excusez-moi, j'étais au téléphone et ça a duré plus longtemps que prévu. Pardon, pardon. Vous êtes le docteur Stern? Non, je suis son assistant. Mademoiselle, ces messieurs et cette dame. Mais ils ont la gentillesse de me laisser passer en premier. Car il est pas possible que je sois partie de chez moi sans avoir fermé correctement mon gaz et peut-être aussi mon eau. Ah bon, je vous ai laissé passer, moi aussi? Non, rassurez-moi, mademoiselle, le docteur Stern ne pratique pas la thérapie de groupe, j'espère, parce que si, c'est ça, non? Ah, je suis désolée, je n'ai pas d'informations sur la consultation. Tout ce que je peux vous dire, c'est que son avion a pris du retard à Francfort à cause du brouillard. Et là, comme je n'arrive pas à le joindre, je ne sais pas s'il est encore dans l'avion ou déjà dans le taxi. Excusez-moi, mais il faut que je surveille le téléphone. Je vous tiens au courant. Oh mon Dieu, si j'ai tout laissé ouvert chez moi, l'eau, le gaz, l'électricité. Bonjour les factures. Tiens, vous voulez que je vous calcule combien ça va vous coûter? Non. Non, mais à la louche. Non, non. Ok, j'insiste pas. On peut changer de place? Je m'en fous. Pour Francfort, c'est quel aéroport? Roissy, terminal 2D. À votre avis, il peut être là dans combien de temps? Une heure si c'est un manche, trois quarts d'heure si roule normal, et une demi-heure si s'appelle Vincent. Si c'est une demi-heure, ça va. Oui, sauf s'il est encore dans l'avion. Excusez-moi, ça vous embête si j'aère un peu, parce que c'est pas très sain de respirer assise dans la même pièce. Surtout en plein hiver, avec tout ce qui traîne. Les grippes, les bronchites, les laryngites, j'en passe des meilleurs. Mais c'est-à-dire qu'il ne fait pas chaud. Juste deux minutes, après je referme. Culé! Seigneur Marie-Joseph. Ah bah, il y avait longtemps. Mais qu'est-ce que vous faites? Bah, j'harmonise un peu les objets. Ça vous choque pas, vous, tout ce bordel? Bah non, quel bordel? Là, vous voyez pas que c'est pas symétrique? Oh putain, mais on est où là? Bon Fred, j'ai pas ça pour vous embêter, mais qu'est-ce que vous avez contre les thérapies de groupe? Parce que si tout bif vous nous faire passer un par un, ça risque de prendre la journée. Moi je m'en fous, j'ai tout mon temps. Mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde ici. Ah non, moi j'ai pas la journée. Hein. Ah non, moi j'ai pas la journée. Moi non plus. Non, moi non plus, surtout si j'ai laissé un robinet ouvert. On m'a dit que c'était un travail de groupe. Ah bon? Mais qui vous a dit ça? Bah, le médecin qui m'a orienté vers le docteur Stern. Oh, con! Bah, cool, Fred. De quoi vous avez peur?
Je préfère être seul avec le thérapeute. C'est tout. Vous savez, toute ma vie, les gens se sont moqués de moi, là. Avec l'âge, je supporte de moins en moins. Personnellement, je ne suis pas venu ici pour me moquer des gens. Moi non plus, certainement pas. Alors, vous voyez, Fred, relax. Cool. Cool, 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 cool. Moi, j'ai déjà fait une thérapie de groupe il y a 2 ans, et ben, personne s'est moqué de personne. Voilà. Tiens, vous savez ce qu'on devrait faire? Non. Un tour de table pour se présenter. Oh, mais pourquoi? Bah, comme à mon avis, c'est ce qu'on va faire devant le docteur. Si on le fait maintenant, ça nous fera gagner du temps. Et puis, si on se connaît mieux, on sera moins tendu devant lui. Ah, c'est pas con, ça, Fred. Vous êtes d'accord? Oui, s'il s'agit juste de se présenter. Non. En plus, il faut dire la raison de sa présence ici et sa couleur du jour. Sa couleur du jour? Mais ça veut dire quoi? Bah, c'est lié à l'humeur. Par exemple, si vous êtes dépressif, et bah, votre couleur, ce sera le noir. Et si vous êtes optimiste, ce sera le rose. Oh, faut faire attention avec le rose. Ça peut prêter à confusion. Bon, qui commence? Moi, je veux bien. Bon, ben, je m'appelle Bob. B-O-B! J'ai 29 ans et je suis... Non, on peut fermer là, parce que je vous rappelle qu'il ne fait pas chaud. Bon, à partir de maintenant, défense s'interrompt, d'accord? Culé! Sauf Fred, bien sûr qu'il ne fait pas exprès. Donc, je m'appelle Bob, j'ai 29 ans, je suis concepteur de jeux vidéo et je souffre de TOC depuis l'adolescence. Les plus importants sont mon incapacité totale à marcher sur des lignes et ma fascination pour la symétrie. Et c'est quoi votre couleur? Vert. Pourquoi? Parce que c'est la couleur qui est pile au milieu de l'arc-en-ciel. Il y a le rouge, l'orange et le jaune d'un côté, le bleu, l'indigo et le violet de l'autre, 3 et 3, et le vert est juste au milieu. Et c'est quoi votre banque? CIC! C'est marrant, j'aurais mis un billet là-dessus, moi. Bon, à qui le tour? Si on prenait l'ordre d'arrivée. Ah, bah alors ça veut dire que c'est à moi. Oui, sauf si vous voulez que je me présente avant. Oh, bon, après quelle importance? Alors, je me prénomme Frédéric. Fred, pour les amis. Qui ne sont pas légion. J'ai 73 ans et je souffre depuis l'enfance du syndrome Gilles de la Tourette. Et comme c'est le seul toc dont on ne guérit pratiquement jamais, j'ai juste l'espoir que Pinocchio, que les médicaments progressent afin de diminuer les crises. Voilà, vous savez tout. Et c'est quoi votre couleur? Ma couleur? Isabelle. Mais c'est un prénom, ça, c'est pas une couleur. Non, c'est les deux. Ah, oui, oui. Ah bon? Ok. Alors moi, je m'appelle Vincent. Ben merci, c'est agréable. Je reviens tout de suite. Donc, Vincent. Taxi, 54 ans, ma couleur le bleu, comme les taxis bleus. Et mon problème à moi, enfin surtout celui de ma femme, parce que moi je vis très bien, c'est que j'aime bien compter tout et n'importe quoi. Alors au stade où j'en suis, il y a 2 écoles. Soit je me calme un peu, soit après 25 ans de mariage, ma femme demande le divorce. Voilà. Ça fait combien de jours, 25 ans? 9125. Et combien de minutes? 32 850 000. Waouh, et sans réfléchir en plus. Hein. Et encore, ça sert à rien, mon plaisir, c'est de faire des calculs bien plus compliqués. C'est à qui? Elle arrive. J'expliquais que j'étais un collectionneur de staphylocoques. C'est vrai? Mais non, il a la manie de tout compter, c'est tout. En fait, c'est juste un génie. Ah, génie, je prends. Ce que j'aime pas, c'est qu'on me traite d'autiste. Ah, pourtant, c'est pas un gros mot, autiste. Oui, peut-être, mais j'aime pas. Allez, à vous. Eh bien, moi, je m'appelle Blanche. Comme la chaise de M. Seguin. Et on a dit qu'on interrompait pas. Non, pardon, 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 pardon. Comme vous pouvez le constater, ma couleur, c'est le blanc. Je suis laborantine. J'ai, on va dire, la quarantaine. À la louche. Et
Et j'ai très peur des microbes et de la maladie. D'aucuns disent que je somatise, mais quand on voit ce qu'on voit et quand on lit ce qu'on lit, je me dis que j'ai raison de m'inquiéter. Seulement, comme j'ai tendance à m'angoisser un peu trop avec ça, mon entourage a insisté pour que je consulte. Et de docteur en docteur, j'ai finalement été orientée vers ce grand spécialiste qu'est le docteur Stern. Et ça vous est arrivé à quel âge, cette histoire? Oh, j'ai toujours eu ça. Mais ça s'est peut-être accentué il y a une petite vingtaine d'années. Allez, anal, anus et trou du cul. Bien, bel enchaînement, là. Seigneur, Marie, je vous aime, Marie. C'est à vous. Dès que vous aurez fini de tricoter, bien sûr. Bon, Vincent, on se moque pas non plus. Oh, mais c'est pas méchant, je déconne. Allez-y, madame, on vous écoute. Non, mais moi, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, je viens pour une amie qui ne peut pas se déplacer. Ah, voyons, c'est marrant. Je la connais pas, votre copine, mais je parais qu'elle vous ressemble comme deux gouttes d'eau. Oh, mon nom, mon nom. Madame, 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 je vous en prie, madame. Ne vous troublez pas, voilà. Présentez-vous. Seigneur, donnez du courage à votre créature. Eh bien, je m'appelle Marie. Couche-toi là. Maman, Marie. Je ne vous dirai pas mon âge. Ma couleur est également le bleu. Mais attention, pas le bleu taxi. Le bleu céleste. Ah, amen. Et si je suis ici, c'est parce que j'ai une sale manie qui, d'après mon médecin, a dégénéré en ce que vous appelez un toc. Quelle manie? Je vérifie sans cesse ces choses. Quelle chose? Eh bien, d'abord mon sac. Mais quand je sors de chez moi, je vérifie aussi plusieurs fois si j'ai bien fermé les serrures à clé. Et je fais pareil pour l'eau, le gaz et l'électricité. Vous connaissez ça, Fred? Ah, bah oui, ça s'appelle des tocs de vérification. C'est un grand classique. Mais d'après ce que j'ai lu, ça se soigne assez bien. Eh ben voilà, c'était pas la mer à boire non plus. Il ne reste plus que vous. Attendez, j'ai aussi des pensées. Des pensées de quoi? Des pensées qui reviennent, toujours les mêmes. Mais quel genre de pensées? Non, ça, excusez-moi, mais je préférerais en parler au docteur. Mais bien sûr, j'imagine que vous avez déjà dû prendre beaucoup sur vous pour nous dire tout ça. Mais oui, beaucoup. Mais sûrement. Pardon de rester sur vous, mais quand vous faites vos signes de croix et que vous priez hyper vite, c'est un toc, ça aussi? Je ne sais pas, peut-être. Vous croyez que je suis folle? Bah non, sinon à ce compte-là, on est tous frappadingues. Pas vrai, Fred? Non, c'est pas parce qu'on a un problème qu'on est fou, rassurez-vous, Marie. Allez, à vous. Ah non, pas moi. Ah non, pas moi. Pourquoi tout le monde l'a fait, même Fred et Marie? Ça me gêne, ça me gêne. Mais tout à l'heure, devant le docteur, il faudra bien que vous parliez. Blanche a raison. Considérez ça comme un petit training, parce que tout à l'heure, le groupe sera le même. Allez, courage. Je m'appelle Lily et... j'ai un truc dans ma tête qui m'oblige à tout répéter. Mais... je m'appelle Lily et... j'ai un truc dans ma tête qui m'oblige à tout répéter. Ah bon? Mais ça vous le fait quand? Bah, tout le temps. Bah, tout le temps. Mais vous répétez toujours tout deux fois? Oui. Et des fois, je répète aussi la dernière syllabe des autres. Oui, et des fois je répète aussi la dernière syllabe des autres. Et depuis quand c'est devenu systématique? Depuis la mort de mon père. Depuis la mort de mon père. Oh putain, mais on est où là? Ça doit pas être facile à vivre ça non plus, hein? Ah non, non, c'est très dur. Ah, non. Non, c'est très dur. Et qu'est-ce qui se passe si vous répétez pas votre phrase? J'ai peur que ça me tue. J'ai peur que ça me tue. Carrément. Vous avez ça dans vos fiches? Ah bah attendez, je regarde. Remarquez, l'avantage de tout dire deux fois, c'est que c'est bien symétrique. Moi, j'aime beaucoup. Oh, bah merci, ça fait plaisir. Et c'est quoi votre couleur? Gris-gris. Ah bon, mais pourquoi? Ben, je sais pas. J'espère que ça va me porter chance. Ben, je sais pas. J'espère que ça va me porter chance. Ah, gris-gris! Oui, oui! Allez, voilà!
Voilà, j'ai trouvé. Ça s'appelle Palilali et Ecolali. Oh putain, ils ont vraiment des noms pour tout, hein. C'était quoi mon truc déjà? Ah bah je vous l'ai dit, haricots bannis. Remarquez, c'est pas mal de mettre un nom sur son problème, c'est déjà un début. Ah, voilà la plus belle. Eh ben merci, c'est agréable. Y'a du nouveau? Désolée, je n'ai toujours pas pu joindre le docteur. Reculé! Un an d'attente pour en arriver là, je trouve ça inadmissible. Oui, là, c'est pas cool. Cool, 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 cool. Excusez-moi, ça vous dérange si j'ouvre un peu? Oui! J'ai quand même réussi à joindre l'aéroport de Francfort et il semblerait que son avion ait décollé. C'est déjà ça. Il semblerait? C'est même pas sûr, en plus. Mais si, si, c'est sûr. Alors si c'est sûr, pourquoi vous employez le conditionnel? Non, pardonnez-moi. D'après eux, son avion a décollé, c'est bon. Mais il y a combien de temps? Ah ça, ils ne me l'ont pas dit. Mais au pire, le vol dure 50 minutes. 3000 secondes? Fils de pute! Ça, faudra pas oublier de lui dire en face. Parce qu'on est que Charlie, le grand professeur. Vous m'excusez, je retourne près du téléphone. Juste 5 minutes. Oh non, merde, on va tout choper la crève. Au contraire, c'est pour évacuer les microbes. Crop, 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 crop. Minutes, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ça vous dirait de faire un jeu? Oh oui, pourquoi pas? Oh oui, pourquoi pas? Ça dépend, hein. C'est quoi comme jeu? Des jeux de société? Ah, il n'y a pas de solitaire. Oh là là, le ver solitaire, quelle horreur! Vous savez que ça peut mesurer jusqu'à 12 mètres de long, 12 mètres dans les intestins, vous vous rendez compte? En plus, il paraît qu'en vieillissant, ça peut se retourner contre son maître. Ah Fred, il y a aussi des cartes. Si vous voulez, vous pouvez faire une réussite. Bah non, si on fait un jeu, on joue tous ensemble. Personnellement, je ne suis pas venu ici pour jouer à quoi que ce soit. Mais bon, il y a quoi exactement? Bah à part les cartes, il y a un jeu d'échecs. Mais non, faut qu'on puisse jouer à 6. Alors à 6. Bah on peut faire un morpion. Les petits chevaux, ça va pas non plus, c'est 4 joueurs maximum. Un Scrabble, ça vous dit? Oh, non. Ok, c'est l'hystérie collective. Trivial poursuite. Ah, si c'est trivial, alors là, j'ai une chance de gagner. Oui, vous êtes même hors concours. Les 2 minutes sont écoulées, merci. Sinon, il y a un Pictionary. Je ne sais même pas ce que c'est. Oh, il faut faire des dessins. Oh, il faut faire des dessins. Mais dites donc, elles sont pas un peu crasseuses, toutes ces vieilles boîtes? Non, elles sont juste très mal rangées, c'est tout. Pour finir, je peux vous proposer un bon vieux Monopoly. C'est un classique, mais bon. Non, s'il vous plaît, faites attention à pas déplacer mon pion avec le vôtre parce que vous lui faites toucher la ligne! Pardon. Écoutez, bon, ça n'a aucune importance. Regardez mon pion, eh bien, il touche un peu la ligne, ça ne me pose aucun problème. Franchement, je sais pas comment vous vous faites. Allez vous faire enculer! Ben non, pas maintenant, on joue là. Voilà, Lily, le faubourg Saint-Honoré, on l'achète, on fait juste les vitrines. J'achète. Alors c'est 300 euros, putain, heureusement que je fais la banque, hein, sinon tout serait gratos avec vous. 100, 200, 250 et 300. Oui, merci Lily, c'est à moi. 100, 200, 250 et 300. Oui, merci Lily, c'est à moi. Allez, je veux la carte de Lyon. Mais vous êtes obligé de tripatouiller les dés comme ça à chaque fois, c'est pas très hygiénique pour les autres. Oh, ça va, j'ai les mains propres, moi, c'est pas comme d'autres. Non, ça va, je déconne, restez avec nous. Tout va bien. 6, compagnie d'électricité. Oh, mon électricité. Je sais pas si j'en ai rien à foutre de cette merde, mais j'achète quand même. Allez, Fred, c'est à vous. 11. Ça va, je l'ai dans le cul. Non, non, je veux dire, je suis chez moi. 10. 10, rue Lecourbe, 60 euros, c'est pas cher. Vous achetez ou pas? Oh non, merde, pas quand c'est à vous de jouer. Vous allez vous laver les mains que ce sera à bord. 30 secondes. Mais c'est chiant à la fin. Vincent, à vous la stresser encore plus, là. Mais ça casse le rythme. Oh, ça va, c'est pas grave. Mais non, mais ça... Oh, ça va, c'est pas grave. Moi, je
suis désolée, mais le Monopoly avec les euros, je trouve que c'est pas le vrai Monopoly. Ça faut savoir évoluer avec son temps, ma petite dame. Mais évidemment, pour vous, c'est facile, vous comptez tout à la vitesse de l'éclair. Mais pour ceux qui étaient débutés au franc, vous avouez que c'est pas pratique quand même. Un euro égale 6,50 francs, c'est ça? Non, 6,55957. Oh, quand même, ils auraient pu faire plus simple, non? Oh, bah, vous savez, on n'est pas les plus mal lotis. Hein. Regardez les Grecs, pour eux, c'est l'enfer. Un euro égale 340 drachmes, 1,750. Et les Irlandais, c'est pas mieux. Un euro égale 0,787 livres. Et les Espagnols, un euro égale 116 pesetas, 1,386. Et les Portugais, les... Stop! Arrêtez! Mais saoulez avec tous vos chiffres! Ben merci, sympa pour les Portugais. Je le dirai à votre concierge. Ah, enfin, nous allons savoir si la très convoitée rue Lecourbe va tomber dans votre escarcelle. Oui, j'achète. Bon, à toi, Bob, excuse-moi si je te tutoie, mais j'ai un fils de ton âge. Pas de problème. 11. Avenue Foch. Yes, je la voulais. Désolé, mais je suis pas sûr côté des moyens. 300 euros. Vérifie, mais d'après moi, il te reste que 210. Peut-être, mais je la veux. Et pourquoi? Parce que c'est l'avenue de Paris que je préfère, avec ses deux contre-allées bordées d'arbres bien symétriques. Royal Parc de l'Étoile, elle va jusqu'à la place Dauphine, je connais, mais tu peux pas te la payer parce que t'as pas les ronds. C'est dommage, mais c'est comme ça. Allez, on essaie de donner du rythme à la partie maintenant. Marie, c'est à vous de jouer. Bon, pas question, je veux l'avenue Foch et je l'aurai, toi, barre. Oh, 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 t'énerve pas, fils. Après tout, c'est qu'un jeu. Puisque t'en inventes, tu deviens savoir ça. Je veux l'avenue Foch, vous m'entendez, je la veux. Mais attends, c'est quoi ce caractère? T'es cyclothermique ou quoi? Pic, pic, pic. Bon, alors, si cela peut suffire à faire votre bonheur, moi, je peux tout à fait vous les prêter, les 90 euros qui vous manquent. Ah non, 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 pas question. Les arrangements, c'est quand tout le plateau est vendu, pas avant. Non, non, pas forcément. Moi, je me souviens à l'époque où on jouait avec des francs. Eh bien, on pouvait se prêter de l'argent quand on voulait. Chiche ma bite! Ne le faites pas, hein. Mais il fait quoi, le Maurice Béjart, là? Je cherche la règle du jeu. Mais laisse tomber, fils, on va voter, c'est tout, allez. Ceux qui sont pour, levez la main. Et attendez! Là, on lève la main pour décider si on va voter ou on vote déjà pour savoir qui est d'accord pour qu'on puisse prêter de l'argent avant que tout le plateau ne soit vendu. Non. Et attendez! Là, on lève la main pour décider si on va voter, mais on vote déjà pour savoir qui est d'accord pour qu'on puisse se prêter de l'argent avant que toute la tonne soit vendue. Oh putain, ça c'est deuxième effet qui se coule. Ouais, vous n'aviez jamais fait de phrase aussi longue avant. Non, d'habitude j'essaye de faire court, mais là je suis prise par le jeu, alors je me lâche. Bon. Non, d'habitude j'essaye de faire court, mais là je suis prise par le jeu, alors je me lâche. Bon, bah, on est gentil, on essaye de faire des phrases courtes. Faut pas casser le rythme. Oh, ça va, hein, parce que si on peut plus parler. Mais non, oh, ça va, hein, parce que si on peut plus parler. Nous, on fera le parc et que c'est vous qui parlez le plus de tout le groupe. Alors comme ça, vous aussi vous comptez, y a pas que moi. Bon, ceux qui sont d'accord pour qu'on puisse se prêter de l'argent, levez la main. Oh, oh, oh. Mais quoi? Mais sur le fond, j'ai toujours été d'accord. Allez, tenez, mon gentil Bob. Merci. Attendez, je vous dois 10. Non, non, mais ça va, on verra plus tard. Regarde-moi ça, ça sent même plus la monnaie maintenant. Tiens, là, voilà ta carte verte, t'es content? Très content. Ah non, mais bonjour les miasmes. Marie, j'avoue. 5! 5! Compagnie des eaux! Oh non, mon eau! Non, rentrez-moi tout de suite, inondé! Eh ben justement! Si vous rachetez la compagnie, vous pourrez trafiquer la facture. Ou mieux, vous aurez l'eau gratos. Et à la fin, si vous voulez, je vous échangerai ma compagnie d'électricité, comme ça vous aurez les deux. Ah oui, mais contre quoi? Ben, je sais pas, moi, contre votre rue de la paix, par exemple. Oh, l'escroc! Bon! D'accord, j'achète, on verra plus tard. À vous. Bon, surtout pas de neuf, hein, parce que la gare Saint-Lazare aussi, elle est pour moi. 8. Ah, c'est bon, je suis chez moi. Ah, c'est bon, je suis chez moi. Allez, à moi. Allez, un petit 3. Et j'ai ma gare de Lyon chérie. Merde, 4. Avenue Mozart. 1756-1791. Mort à 35 ans. Ah, il aura pas fait de vieux os, celui-là, hein. Allez, j'achète. Allez, c'est déjà à moi. Voilà, c'est bon pour une fois, il y a du rythme. 8, caisse 2, mes couilles de communauté. Ça va, c'est bon, on avait tous rectifié. Non, 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 c'est pas la peine de lire la carte. Avec le pot que vous avez, vous pouvez taper directement dans la caisse. Oui, recevez votre revenu annuel, 100 euros. Tiens, qu'est-ce que je disais, allez-y, servez-vous. 4. Chance. Elle est en prison.
Avancez tout droit en prison. Ne passez pas par la case départ. Ne recevez pas 200 euros. Non. La prison, c'est dégoûtant. Je peux pas tirer une autre carte? Ah ben non, non. Vous avez joué, vous avez joué. Hein. Ah ben non, non. Vous avez joué, vous avez joué. Hein. Attention, elle s'évade. Mais non, j'allais juste ouvrir. Oh non, merde, ça caille. Fermez au retour, promis. 5, ça va, je suis chez moi. 11. Place Pigalle. Vous achetez ou pas? Certainement pas. Ben quoi, 200 euros, il vous reste 375. Vous avez largement les moyens. Non, mais c'est pas le problème. Non, mais regardez, vous avez déjà le boulevard Saint-Michel. Comme ça, ça vous fera deux oranges. Non, ça ne m'intéresse pas, merci. Si vous avez peur que je vous fasse des histoires pour vous échanger avenue Mozart, détendez-vous. Les oranges, je m'en fous complètement. Moi, c'est les gares que non, je veux. Non, merci, je vous dis. Bon, excusez-moi d'insister, Marie, mais je crois que Vincent a raison. Vous avez beau avoir la rue de la Paix, n'êtes pas trop en position de force si vous n'achetez pas la place Pigalle. Il a raison, il a raison, il a raison, il a raison, il a raison. Ben elle était bloquée. Écoutez, tout à l'heure, Bob voulait absolument l'avenue Foch et il a obtenu grand bien lui fasse, mais moi je ne veux pas acheter la place Pigalle, c'est mon droit, non? Mais pourquoi? Parce que je ne veux pas acheter sous un bon costume de la luxure et de la fornication. Je hais cet endroit, il me dit tout, je l'exècre. Voilà, ça vous suffit comme explication. Mais nom de Dieu, on vous demande pas d'y ouvrir des hôtels de passe non plus. Dieu merci, et franchement, quelle idée d'avoir placé Saint-Michel juste à côté de Pigalle. Oh, ça va, Saint-Michel, il a terrassé le dragon. C'est pas trois putes qui vont lui faire peur. Blasphémé. Oh, Marie. Non, mais blasphémé, oh, ça va vite arranger. Seigneur, si vous avez pitié de votre créature, envoyez-lui un signe. Merci, mon Dieu! Sodome et Gomorre, bravo! Allez, voyons. Alors, écoutez-moi. Écoutez-moi. Quand vous jouez à un jeu, vous préférez perdre ou gagner? Gagner, bien sûr. Ben alors, achetez la place Pigalle. Vous croyez? Je crois pas, je suis sûr. Ben oui, c'est une carte que tout le monde voulait. Mais enfin, Pigalle, quand même. Et alors, c'était pas un proxénète, Pigalle? Mais non, c'était un type très bien, un excellent sculpteur. Et d'une très bonne famille, en plus. Jean-Baptiste Pigalle... 1714-1785. Et c'est combien? Bravo, vous posez déjà les bonnes questions pour le quartier. Faire plaisir, parce que Dieu m'est témoin. Mais oui, Dieu est témoin, il a tout vu et il est fier de vous. Il reste quoi, il reste quoi? Les deux gars, mais rêvez pas le sang pour moi. C'est ça, c'est ça. Trois. Chance! Trois. Chance! Vous avez gagné le prix de mots croisés, recevez 100 euros. Vous avez gagné le prix de mots croisés, recevez 100 euros. Elle a failli me niquer, dis donc. Bon, allez, à moi. Allez, les gars, je vous ai jamais rien demandé, mais là, il me faut un 12. Allez, les petits, 6 et 6. Non, mais allez-y, mettez la langue pendant que vous y êtes. Ça va, j'ai pas la gale non plus. Oh là là, la gale, quelle horreur. En fait, la gale, c'est des petits parasites du genre acarien qui pondent directement sous la peau. Et ça grouille là-dessous. On dirait le métro aux heures de pointe. Non, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a mangé à la rousse médicale à midi? Mais non. Non, mais vous allez nous décrire toutes les maladies comme ça? Non, mais dites-le, hein. Parce que quand vous en serez à la pléno, moi j'irai pisser. Vous pouvez pas dire uriner comme tout le monde? 12, yes! J'ai la gare Salazar. Je paye, je prends ma carte et c'est encore à moi de jouer. Attends, ma petite gare de Lyon, papa arrive. Seigneur, le cinéma. Ouais, c'est vrai, Vincent, active un peu, hein. Excuse-moi si je te tutoie, mais j'ai un père de ton âge. Ça me casse les couilles! Oh oui, ah, nous aussi! Lui, caisse de communauté, en espérant que Fred n'ait pas laissé que des merdes. Payez la note du médecin, 50 euros. Bah putain, il est gonflé celui-là. Non seulement il ne fait pas hanter comme des cons, mais en plus il envoie la note. Mais au fait, on n'a pas de nouvelles.
Je vais voir. Non, on s'en fout, on joue, là. Vous marchez sur le pèlerin, vous? Il reste plus que la gare de Lyon. Vous voulez pas qu'on la mette aux enchères? Comme ça, on pourra construire plus vite. Non, pas question. Moi, j'ai juste et on pourra l'acheter. Si les prix flambent, je suis mort. Mais qu'est-ce que vous avez avec les gares? Il n'y a pas plus sale comme endroit. Mais les gares, c'est toute ma vie. J'ai rencontré ma femme, gare du Nord. J'ai demandé en mariage gare Montparnasse. Elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, gare Saint-Lazare. Et on a fait le petit dernier, gare de Lyon. Vous copulez dans les gares, vous? Ça va, on n'a pas fait ça dans la salle d'attente. Les wagons-lits, c'est pas fait pour les chiens. Alors? Non, toujours rien. Ah. Qu'est-ce qu'il fait avec sa canne, Ray Charles, s'il veut pas un labrador? Allez, c'est à moi. 11. 11. Gare Montparnasse. Yes! Et comme maintenant j'ai 3 gares, c'est 100 euros. Et tout à l'heure, quand j'aurai la gare de Lyon, ça fera 200 euros. Et à chaque fois. Allez, à vous, Blanche. Non, mais moi, je peux pas jouer, je suis en prison. Non, vous jouez, si vous faites un double, vous sortez. De toute façon, la gare de Lyon, c'est mort pour vous, parce que vous devez faire 5, et 5, c'est pas un double. Ah oui, mais si elle fait un double 1, et qu'après elle fait 1 et 2, c'est bon, hein? Ah oui, mais si elle fait un double 1, et qu'après elle fait 1 et 2, c'est bon, non? Ah, là oui, c'est bon. Mais si elle y arrive, moi je me fais curer. Non, merci. L'église n'a aucun besoin de vous. Qu'est-ce que vous en savez d'abord? Vous êtes la porte-parole du Vatican? Faut pas croire, mais nous aussi, les taxis, on est des sortes de confesseurs dans notre genre. Si vous saviez le nombre de personnes qui ont chialé dans mon bahut, vous seriez étonnés. Il y en a qui ont gerbé aussi. Enfin, ça, c'est encore autre chose. Dieu me préserve de me confier un jour à un taxi. Oui, vous voyez, moi, je ne suis pas d'accord. Vous savez, rares sont les personnes qui comprennent mon problème. Mais un jour, j'ai pris un coup de bite. Non, je veux dire un taxi. Alors, évidemment, au bout de 2 minutes, je l'ai traité de tous les noms d'oiseaux. Heureusement pour moi, la veille, il a vu un reportage à la télé sur le sujet. Eh bien, du coup, il m'a posé 1000 questions sur ma maladie, mais aucune n'était déplacée. Et nous avons eu une conversation tellement intéressante, enfin, du point de vue humain, que j'en étais arrivé à souhaiter qu'il y ait des embouteillages pour que ça dure le plus longtemps possible. Ah, vous voyez? Et cet homme m'a fait un cadeau magnifique. Pendant quelques instants, il m'a considéré comme une personne normale. Pour boire? Non, enfin, je voulais, mais il a refusé. C'est marrant, hein. Moi, c'est là où ça me donne envie de chialer, moi. Mon pauvre ami. Ah, très fort, il se lance, le petit, là. Ah, c'est pour la consoler? Personnellement, je trouve ce geste un peu déplacé. Mais non, c'était très mignon. À moins que vous ayez de l'herpès, c'est quelque chose comme ça. Allez, je joue. Sors. En vrai, vous avez posé l'idée à la main, quoi? Non, elle les a fait rouler, je l'ai vu. Compagnie d'électricité, je suis chez vous, ma soeur. Tu passes 6 euros, j'en fais cadeau. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas faire 3. 4. Oh putain! Je suis pas passé loin de la soutane. Allez! À moi, 12. Avenue de la République! Avenue de la République! Ah, je suis chez moi, je rejoue. Désolé, papa, mais ce que tu vas voir risque de te faire très mal. Allez, 6, direct. Oh putain! Quoi? T'as vu la ligne, hein? Quelle ligne, ça? Mais si, sur le jeu! La locomotive noire, là, mais c'est comme une grosse ligne qui barre la case. Faut pas mettre ton pion dessus, c'est pas bien, c'est caca. Oh là là, le caca, quelle horreur! Alors, en fait, le caca... Oh, ça va. Mais Vincent, c'est déloyal, ce que vous faites, là! Oui, c'est vraiment nul! Oui, c'est vraiment nul! Bon, ça va, on peut rigoler! Bon, ça va, on peut rigoler! C'est même pas drôle! Franchement, l'humour de taxi, mais on en a... casse-tête, hein! Non, mais laissez-le! Il peut faire son cinéma, ça m'impressionne pas du tout. Ah, 10! Dommage, j'aurais trop aimé te la piquer. Eh oui, mais c'est ma gare, c'est écrit, petit. Et on peut pas lutter contre ça. En attendant, tu la payes, t'es chez elle. Combien je vous dois?
Combien vous me devez de quoi? Bah, je suis chez vous, à Pigalle. Ah non, ça ne va pas commencer cette histoire, hein. Pigalle, 16 euros. Tenez. Non, je ne veux pas de votre argent. Gardez-le. Eh ben, si tout le monde était comme vous dans le quartier, ça serait le rêve, hein. 3. 3, chance. Non. Attendez. Vous devez vous convertir à l'islam. Mais qu'est-ce que c'est que... Mais qu'est-ce que c'est que cette carte? Amende pour ivresse? 20 euros de Jésus? Moi qui ne bois jamais une goutte d'alcool. Oui, on dit ça et on se torche à galon douce avec du vin de messe. Allez, à moi. 6. 6. Qu'est-ce communauté? Qu'est-ce communauté? Allez, à moi. Et attendez, j'ai même pas lu ma carte. Oui, pardon. Et attendez, j'ai même pas lu ma carte. Ben oui, pardon. Payer une amende 10 euros ou bien tirer une carte chance? Payer une amende 10 euros ou bien tirer une carte chance? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Franchement, aucune idée. Oh, 10 euros, c'est pas la ruine, hein? C'est vrai. Allez, à moi! Non, attends. Après tout, c'est qu'un jeu, puis ça va prendre des risques dans la vie. Tu crois? Bon, allez, à moi! Non, une seconde! Lily, tire une carte chance, c'est ce que t'as à perdre. Ok, c'est parti! Allez, regarde le lion! Oh putain! Si vous passez par la caisse des parts, vous avez 200 euros! C'est pas vrai! Allez, à la garde de lion! Oh putain! Si vous passez par la caisse des parts, vous avez 200 euros! Oh putain, merci, hein, sans poids payé 10 euros, j'avais ma chance! Bon, maintenant que tout le plateau est vendu, on peut commencer les échanges. Je vous échange la gare de Lyon. Eh oh, ça va doucement, je vais l'échanger, votre gare. Bon, vous voulez quoi en échange? Plume-le. Tout. Et ça veut dire quoi, tout? Ça veut dire toutes vos cartes, sauf les gares, bien sûr. Quoi? Ça veut dire toutes vos cartes, sauf les gares, bien sûr. Plus tout votre argent, hein. Mais non, mais si je fais ça, il va plus rien me rester, moi. Ben si, les 4 gares. Vous savez, celle qui devait tous nous plumer. Ok, d'accord, je marche. Je vous donne tout. L'avenue Mazar, place de la Bourse, compagnie d'électricité, plus 285 euros. Voilà, j'ai plus rien. Vous êtes content? Moi, j'appelle pas ça de la Lego, mais du racket. J'ai enfin pu avoir l'aéroport. Alors. En fait, son avion a bien atterri à Roissy. Mais il est bloqué sur l'aire d'arrivée à cause d'une avarie de passerelle. Une avarie de passerelle? Ça me fait chier! Mais pas que vous, Fred! Là, ça fait chier tout le monde! Mais chier! Concrètement, ça veut dire que le docteur ne viendra pas aujourd'hui! C'est ça! Oh, si, madame, il viendra, ça c'est sûr, mais pas avant 1h ou 2. 1h ou 2? C'est lamentable de traiter les gens comme ça, les patients, en plus! 1h ou 2? Je suis désolée, mais c'est indépendant de sa volonté. Le docteur sera le premier navré de ce contretemps. Ah, parce que vous appelez ça un contretemps? Moi, j'appelle ça une honte! On ne donne pas de rendez-vous aussi important à 6 personnes quand on arrive au dernier moment et de l'étranger en plus. Avec ce genre d'organisation, il n'y a pas de place pour la moindre couille. La preuve, on est tous là comme des cons. Chiotte à la turque. Toubib de merde. Ah ben bravo, hein. Alors là, pour la symétrie, tu repasseras. Hein. Ouais, puis de toute façon, je vous aurais tous plumé. T'as raison, c'était pas la peine de finir. J'ai gagné. Écoutez-moi bien, mademoiselle, je pars. Mais je veux que vous disiez à votre pseudo-docteur qu'il va recevoir de mes nouvelles. Un an d'attente pour jouer au Monopoly. Tout simplement ça va aller. Le docteur va aussi entendre parler de moi, croyez-moi. Je vais vous détester les virus, je vais lui pourrir son site internet. Le grand docteur Stern, le meilleur, le spécialiste, la sommité. Eh bien, vous lui direz de ma part que c'est un charlatan. Voilà. Franchement, je ne sais pas quoi vous dire, à part que je suis... Désolé, ça va. On connaît la chanson. Chanson. Bon. Moi, je vais y aller. Bon, ben, moi aussi. Bon, ben...
Moi, je vais y aller. Ah bon, mais pourquoi? Bah, parce que s'il arrive dans 2 heures, ça va faire tard. Bah, parce que s'il arrive dans 2 heures, ça va faire tard. Bon, ben, moi aussi. Bon, ben, si tout le monde se barre... Fred, vous faites quoi, vous? Ben, franchement, je ne sais plus. Vous m'aviez presque convaincu de participer à une thérapie de groupe, mais si tout le monde s'en va... Ben, alors, finalement, je vais rester, moi. Ah bon? Ah oui, moi, je veux savoir ce qu'il va me dire, le Stern. Et si jamais je ne trouve pas assez convaincant, il n'est pas à l'abri de son mangeur bourre-pif, le grand mandarin. Dans ce cas, je reste avec vous. Ne serait-ce que pour vous éviter de faire une bêtise. Merci, c'est gentil. Bob, simple curiosité avant que le groupe ne se dissolve. Vous qui avez déjà participé à une thérapie de groupe, ça se passe comment, au juste? Bah, c'est simple, au départ tout le monde se présente, expose son problème, et ensuite on travaille sur chacun, par plage. Par plage? Bah oui, pendant quelques minutes tout le groupe se focalise sur une personne. Pardon pour l'expression, mais c'est un peu comme une tournante. Oh là là, les tournantes, quelle horreur! Je vous dis pas tout ce qu'on peut attraper comme maladie là-dedans. Non, 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 attendez, attendez, si j'ai bien compris dans cette histoire, le toubib, c'est le groupe. Absolument, le docteur oriente, mais tout le monde participe. Ah d'accord. Et si on le faisait? Pardon, vous plaisantez? Mais pas du tout, maintenant qu'on sait comment ça se passe, pourquoi on n'essaierait pas de le faire? Puisque ce connard de Toubib nous a planté. Mais parce que nous ne sommes pas des thérapeutes. Et même si tout le monde participe, le docteur est là pour guider ses patients. Un peu comme le berger est là pour guider ses brebis. Ah bonjour les métaphores de bigote. Mais Vincent, pas d'agressivité, hein. Chacun réagit dans son style. Sop! Ça c'est vrai, hein. Un groupe qui serre dans les pattes, en général, ça ne fait pas trop. Entièrement d'accord. Si on n'est pas capable de s'accepter entre nous, c'est pas la peine de demander un peu de tolérance aux autres. Vous avez 100 fois raison, Blanc. Non, 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 non. Ah oui, ben bon. Bon alors, on le fait ou pas? Allez, moi je suis d'accord, après tout on n'a rien à perdre. Bien parlé, petit. Fred. Bon, écoutez, moi les groupes m'ont toujours terrifié, mais si t'as voulu, je veux bien l'essayer. Putain vierge! Ah! Merci. Ah, vous le remerciez quand il insulte la Vierge. Blanche, entre deux nettoyages de printemps, on peut espérer vous compter parmi nous? Je sais pas! Pour être franche, j'y crois pas trop. Et moi pas du tout. Blanche? Lili! Vous le faites, vous? Ah bah si vous, vous le faites, moi je le fais. Ah bah si vous, vous le faites, moi je le fais. Allez Blanche, un peu de courage, d'autant plus qu'on se connaît maintenant, on est entre nous. Pour une fois, vous pouvez pas vous laver les mains. Réfléchissez, si vous faites pas pour vous, faites-le pour le groupe. Ah, le Chantal affectif. Tif 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 tif. Allez d'accord, je veux bien essayer. Ah, mais c'est vraiment pour vous faire plaisir. Génial, merci. Marie, ma belle et douce Marie, il n'en reste plus que vous. Employer la flatterie, je ne me prêterai pas à ce simulacre. Ah, moi, c'est tout. Ah, la pute! Ah non, Fred. On n'est pas là pour juger. Non, là, si tu fais le con, c'est pas comme ça que tu vas la convaincre. Ni comme ça, ni autrement. Quand je dis non, c'est rarement oui. Mais pourquoi, bordel? Pourquoi? Mais pour ça, justement. Entre Fred qui ne fait pas exprès et vous qui en rajoutez à loisir, on se croirait plus dans un bistrot que dans un cabinet médical. Si ce n'est que ça, peut-être que si Vincent fait un effort de vocabulaire, vous pourrez, à votre tour, faire l'effort de rester avec nous. Non, mais même j'ai un train à prendre et je dois partir impérativement dans une demi-heure, dernier carat. Attendez! Attendez! Ne dites pas que vous êtes aussi sidéro-dromophobe. Mais je ne sais pas, c'est quoi ça encore? Sidéro-dromophobie, peur exagérée de rater son train. Oh putain, ils ont vraiment des noms pour tout. Hein. Et comment on appelle une personne qui a peur de rater son avion? Parce que moi, dans mon taxi, j'en ai 10 par jour. Peur exagérée de rater son avion, aéro-dromophobie. Et comment on appelle une personne qui a raté ses études? Un taxi. Merci, c'est sympa. Mais non, déconne. Mets-moi ça dans le cul. Merci. Avec celui de Marie, ça m'en fera 2. Bon, sinon, Bob, tes séances de groupe, elles duraient combien de temps? Environ 1 heure. Ah, oh, voyez, désolé. Même avec la meilleure volonté du monde, cela m'est rigoureusement impossible. Non, non, Marie, 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 Marie.
Bof, t'as bien dit qu'au départ, tout le groupe se présentait et exposait son problème. Oui, c'était le rituel de base, avant de commencer le travail. Ce rituel durait combien de temps, à la louche? Je dirais la moitié du temps. Donc, seule la deuxième demi-heure était consacrée à ce fameux travail. Oui, Vincent. Eh ben, c'est parfait, comme chez nous, les présentations sont déjà faites et que chacun connaît le problème de l'autre, ben, on peut se mettre au boulot maintenant, et dans une demi-heure, on est tous sortis. Ça vous va comme ça? Non, mais même j'ai un train à prendre! Et je ne peux pas rater! Non, Marie, tout doux, tout doux! Oh, 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 oh. Non, Marie, si on s'y met maintenant, arrivant de 3 minutes par personne, dans 18 minutes, on a terminé. Vous aurez encore 12 minutes d'avance sur votre train. Ah, parce que vous croyez qu'on va tous régler les problèmes que l'on traite depuis des années en 3 petites minutes? Oh, je sais pas, mais au moins on aura essayé. Mais vous laissez pas pour me faire prier. Eh ben, alors dites oui. Mais je ne sais plus... Oh, je ne sais plus où j'en suis, moi. En fait, qu'en pensez-vous? Oh, ben, personnellement, moi, hein, tout ça me stresse au plus haut point, vous le savez. Mais à présent, je vous connais suffisamment tous pour savoir que vous n'allez pas me juger. 3 minutes, Marie. Le temps d'un œuf à la coque. Bon. D'accord. Le 7. Ah, mais Dieu m'est témoin que je n'y crois pas une seconde. Mais oui, Dieu m'est témoin. Ah. Vas-y. Mais on va faire quoi pendant ces 3 minutes? Eh ben, on va prier. C'est vrai. Mais non, je déconne. Bon, on va faire quoi? Ben, c'est simple, pendant quelques minutes, tout le groupe va se focaliser sur une personne pour l'aider à dénouer son problème. Pardon, mais pour moi, c'est du charabia. Bien. Bambino. Alors, en clair, chacun va essayer de combattre son toc devant les autres. C'est bien ça. Voilà, c'est le principe. On le fait. Allez, on le fait. Allez, chacun prend sa chaise. Comment on se met? En cercle? Non, 3 de chaque côté. Non, symétrique. Oh, merci, Lily. On prend l'heure d'arrivée? Après tout, stressé pour stresser, autant jeter à l'eau. Oh! Mon eau! Bon, alors, qu'est-ce que je dois faire? Bon, pendant 3 minutes, vous ne devez dire aucun gros mot et vous ne devez faire aucun geste obscène. Mettez-vous là. Je prends ma chaise? Ouais. Vous savez, à mon âge, on ne croit plus trop bien. Mais allez, je suis d'accord pour essayer. Vous avez une montre? Pas la peine. La montre, elle est là. Top! Couille au cul! Bravo, ça commence très fort. Pardon, c'est le stress. On sait, Fred, on sait. Allez, courage, Fred. On est tous avec vous. Tous des cons! Bon, eh bien, je crois que la démonstration tourne court. D'abord, c'est pas une démonstration, c'est un exercice de solidarité. Bon, Marie, arrêtez d'envoyer des mauvaises vibrations dans le groupe, ok? Vibration, vibrofion! Alors, en même temps, je crois que nous n'aurions pas dû commencer par moi. Hein. Ça va pas être très bon pour le moral du groupe. Mais non. Ta-ta-ta-la-ta. Là, vous sentez que vous filtrez certaines grossièretés ou pas? Vite au cul! Ah oui, là, on sent bien le filtre! Ah oui, mais c'est normal! C'est normal, plus je suis tendu, plus je crise! Hein, depuis le temps, je commence à connaître la mécanique. Nic-nic-nic-nic-nic-nic! Bon, il reste combien de temps? 1 minute 30. Excusez-moi, ça vous dérange si j'ouvre un peu? Ouvre ton cul, oui! Oh, pardon, Blanche. Mais je vous en prie, Fred. C'est normal. Ah, oh, si le docteur était là, il nous trouverait grotesque. Oui, ben le docteur, il attend sa passerelle et nous on se démerde comme on peut pour s'en sortir. Voilà. Allez, dernière minute. Ouvre ta mère et pointe ta pisse. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il ne va pas entendre? Bon, Fred, accrochez-vous. Essayez de vous concentrer. De ta batte? Oui, c'est mieux. Allez, 30 secondes. Encore, mais ça n'en finit plus. Toi, ta gueule et... Merci, ça fait toujours plaisir. Sur la pièce montée. Bon, écoutez, Marie, je suis navré, mais si je m'excuse encore, je vais me faire sermonner par Vincent. Ah oui, ça va, je finis par en avoir l'habitude. Attention, 5, 4, 3. Saperlipo! Et un petit dernier pour confirmer le fiasco. Et ben voilà. Voilà, je vous avais prévenu. Avec moi, les dés sont pipés. Oh. Non, là, ça va. Bon, allez, on enchaîne.
Parce que cet échec ne vous suffit pas? Attendez, Marie, il faut pas s'attendre à des guérisons spectaculaires non plus. Ça, il a raison, on n'est pas à Lourdes. Voilà, moi, je dois rien compter pendant 3 minutes. Top. Non, mais il faut que vous me parliez aussi, hein. Sinon, ça peut durer des plombes. Mais vous voulez qu'on vous dise quoi? Ben, je sais pas, moi, que des trucs qui me forcent à compter, sauf que moi, je vais résister. 12 fois 12. 144. Bravo, ça, c'est ce qui s'appelle résister. Désolé, c'est sorti tout seul. Ah, ben, si vous piquez mes répliques maintenant... Bon, allez, je me concentre. Allez-y, je suis prêt. Marignan. Rien à foutre. Déclaration des droits de l'homme. J'étais pas né. Eure-et-Loire. Jamais foutu les pieds dans ce département de merde. Bon, Vincent, vous m'épatez. Vincent, on s'en fait tout en fromage, mais c'est pas si dur au fond, hein. Boeing, Boeing. 747. Yes, yes. Oh putain, quel con. Ah, faut pas baisser la garde avec vous, hein. Allez, vous m'aurez pas 3 fois. La prise de la Bastille. Même année que la déclaration des droits de l'homme. Les Dalmatiens. Sans déconner. Les Dalmatiens, et pourquoi pas les nains de Blanche-Neige pour une tuyette. Les péchés capitaux multipliés par les travaux d'Hercule, divisés par les Dalton. Alors, cette fois, 12 divisé par 4, 21. Attends, c'est fastoche, là. Ah, mais moi, j'ai pas voulu vous piéger. Non, mais c'est de bonne guerre. En plus, c'est moi qui vous ai demandé. Alors, Peugeot. 404. Non, là, si vous me branchez sur les bagnoles, je suis mort. Hein. Victor Hugo. 1802, 1885. Et les rues de Paris, c'est pareil, je suis taxi, c'est automatisme. ASPJ. 1000. 500. 1000. 314. Et ça n'a pas. 12. Personnel. 7. On arrête la boucherie, hein. Le temps a été écoulé. Non, on s'en fout, c'est nul, ça sert à rien. C'est Marie qui avait raison, c'est pas une thérapie, c'est une guignolade. Mais non, mais pourquoi tu dis ça? T'as fait des efforts, on était tous avec toi. Moi, j'ai trouvé ça fort. Fort, fort. Moi, la calculette vivante, je peux pas me concentrer plus de 10 secondes. Et en plus, je me fais niquer par les 3 petits cochons. 3. Non, attends, c'est la honte. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On dit au revoir à ceux qui partent et Fred et moi, on fait une partie d'échecs. Et moi? J'ai pas le droit à ma thérapie, moi. Bah, faut arrêter, là, c'est nul. Mais attends, papa, c'est pas parce que ça va pas marcher pour toi que ça va pas marcher pour les autres. Oui, et même si ça ne devait marcher que pour un seul d'entre nous, ça vaut le coup de continuer. Bah, non. Oui, et même si ça devait marcher que pour un seul d'entre nous, ça vaut le coup de continuer. Non, mais moi, je voulais pas casser l'ambiance, hein. Mais j'y crois plus une seconde. Bon, allez, vous voulez continuer, on continue. Je veux pas vous décourager. Eh ben, c'est rudement bien imité. Bon, c'est à qui le tour? C'est à moi. Pardon, pardon, pardon. Oh. Non, vous ne devez pas vous laver les mains pendant 3 minutes. Ah bon? Bah oui, sinon ce serait trop facile. Bah oui, sinon ce serait trop facile. Ni ouvrir la fenêtre. Ni ouvrir la fenêtre. Merci, Marie. Top. Oh putain, je sais pas ce que j'ai touché, mais j'ai les mains crades, moi. Oh, moi aussi. Eh ben, moi aussi. Oh, j'ai les ongles noirs. Oh, j'ai les ongles noirs. Oh, j'ai les doigts qui puent. Non, je sais pas, c'est trop dur. Ben, je vous l'avais dit, hein, ça sert à rien. C'est Marie qui avait raison. Non, mais moi, je souhaite qu'on aille jusqu'au bout. Ah bon? Vous avez viré votre cutie? Écoutez, après tout, 3 minutes, c'est rapide. Et si jamais ça peut aider quelqu'un? Mon cerveau! Eh ben, pas elle, en tout cas. J'y vais. La pauvre, elle doit s'en vouloir. Ça sert à rien, faut pas. Ben, quand même, elle doit être minée. Non, mais ça va aller. Lily s'en occupe. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais tiens, elle revient alors. Ça va, Blanche? Ça va. Sauf que j'ai craqué tout de suite. C'est pas grave. On y retourne? Oui, mais je vous en supplie, ne me dites plus des choses pareilles. D'accord. Mais... acceptez tout de même que je vous touche les mains. Non! D'autant plus que les miennes sont très propres. Moi aussi. Ah, si, non! Moi aussi. Non, 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 non,
est pire que moi, hein. Elle peut même pas se concentrer 10 secondes. Vous savez, hein, les phobies, hein, c'est pas facile non plus. Bah oui, je sais, moi, Molly Sardeline, c'est pareil, alors je la comprends. Ouais, qu'est-ce qu'on fait quand elle revient? On passe au suivant? Ah bah non, elle ne prend pas. Hein. Il faut lui donner une dernière chance. Oui, la pauvre. Bah ok, mais qu'est-ce qu'on fait? Et si on faisait juste ça? Et si on faisait juste ça? Ah oui, pas bête. Oui, très bonne idée. Super idée, même. Juste ça. Allez, tous ensemble. Alors là, ça tourne carrément à la séance d'humiliation. Ah non, je crois pas, enfin pas avec nous en tout cas. Bon, allez, allez, on enchaîne maintenant. Marie, c'est à vous. Oui, mais on attend qu'elle revienne quand même. Bien sûr. Enfin, de toute façon, quand elle y va trois fois de suite, la dernière est toujours plus rapide. Combien de secondes? En moyenne, 23. Elle devrait réapparaître dans... 5, 4, 3. Waouh! C'est vrai qu'il y a un chrono là-dedans et ça fait lecteur MP3 aussi. T'as raison, on de ma gueule. À vous, Marie! À vous, Marie! Allez, Marie, allez! Mon Dieu! Je crains le pire! Seigneur, venez-moi! Non, 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 non. Que dois-je faire? Vous ne devez rien vérifier pendant 3 minutes. Ah, sauf ma bite. Ah, et ni vous signez, hein. Ah, et ni vous signez. Là, elle a raison, le tricot interdit. C'est tout, oui. Top. Au fait... vous avez vos clés pour entrer chez vous? Oui. Je les ai. Vous êtes sûr? Absolument sûr. Sûr, sûr? Sûr, sûr. Et vous avez vérifié? Oh, mais des tonnes de fois. Oui, mais des fois, on croit qu'on l'a vérifié, et puis à la finale, les clés sont pas dans le sac. Soit on l'a confondu avec un autre trousseau. Soit on a cru les entendre, mais c'était autre chose. Une barrette ou des pièces de monnaie, une barrette ou des pièces de monnaie. Et sans clé, on ne peut pas ouvrir la porte de l'appartement, donc on ne peut pas fermer le gaz, l'électricité et l'eau. Qui c'est cool, qui c'est cool. Dans l'appartement qui va exploser. Non, pas ça, mes clés. Ah, Seigneur, faites que je retrouve mes clés. Oh putain, la couche! Elle a fait une crise de catalepsie! Oh merde, elle s'étouffe! À la chasse, quelle merde! Marie, Marie! Bon, ben, verre d'eau, vite, blanche, ouvrez la fenêtre! C'est pas chez toi! Mais vite, bordel! Allez, allez, respirez à fond! Il faut lui dégrafer son corsage! Ben, faites-le, vous, hein, parce que si c'est moi, ça va l'achever, hein. Je m'en occupe, je m'en occupe! Ah là là! Là! Voilà, ça va mieux? Oui, merci! Putain, vous êtes encore à 118, hein, mais ça va redescendre! Ça va aller, mais c'est pas la première fois que ça me le fait. D'après le médecin, c'est de la spasmophilie. Alors, c'est pas bien grave. Pas bien grave, pas bien grave. La spasmophilie, des fois, ça peut tourner à l'arrêt cardiaque. Ah oui, quand vos yeux se sont révulsés, on leur dit le retour des morts vivants. Ah non, sérieux, j'ai bien cru que vous alliez y passer, moi. Et ça vous aurait fait plaisir. Oh, mais ça va pas la tête, 107. Moi, contrairement à vous, je vous aime bien. Et puis, vous faites partie du groupe. Et le groupe, on n'y touche pas. 88, c'est bien, le compteur redescend. Ça va, Marie? Ça va, vous récupérez? Ah oui. Ah oui. Ça On va vous poser des questions toutes bêtes et vous devrez nous répondre en ne disant les choses qu'une seule fois. D'accord, je vais essayer. C'est parti. 3 minutes. Top. Vous avez quel âge? 22. Là, vous avez vraiment fait un effort pour ne pas répéter? Ah bah oui. Et vous habitez où? À Montrouge.
vraiment pas t'empêcher de tout répéter? Ben j'aimerais bien, mais j'arrive pas. Ben j'aimerais bien, mais j'arrive pas. Mais pourquoi? Je sais pas, c'est trop compliqué dans ma tête. Je sais pas, c'est trop compliqué dans ma tête. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez peur que ça vous tue. Oui. Moi ou quelqu'un de ma famille. Oui. Moi ou quelqu'un de ma femme. Oh, la pauvre enfant! Attention! Voilà, c'est bien. Il faut que ça sorte. Allez! On est tous avec vous. Merci. Merci. Je peux essayer quelque chose? Va chier, connard! Merci, Fred, c'est gentil. Lily, répétez après moi. Bora, Bora. Bora, Bora. Bora, Bora. Miu, Miu. Miu, Miu. Ça va, Lily? Non, c'est dur à vivre. Non, c'est dur à vivre. Allez, je vous fais la bise. Histoire de vous couper l'herbe sous le pied. Mais vous allez vous en sortir, mon enfant. Faites-moi confiance, je sens ces choses-là. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Merci. Vous êtes adorable. Ça me touche beaucoup. Même si... ça règle pas mon problème. Merci. C'est adorable. Ça me touche beaucoup. Même si... ça règle pas mon problème. Ça va, Vincent? Non, mais c'est mes lentilles. Ça pique les yeux, ces conneries. Mais les lentilles, ça fait péter. Bah aussi, c'est vrai. Je ne dis pas ça pour vous décourager, mais il faut bien avouer que jusqu'à présent, nous avons tous échoué lamentablement. Mais ouais, parlez pour vous. Moi, j'ai tenu 10 secondes quand même. Oh, la belle affaire. Et en 10 secondes, la lumière peut parcourir quelle distance? 2 997 925 km. Et voilà, encore niqué. Ah non, non, c'était plus à moi, là. Puis je vais te dire, niquer pour niquer, je préfère encore me faire avoir par un calcul comme celui-là que par les 3 petits cochons. Hein. Parce que ça, pour moi, c'est vraiment trop la honte. Hein. 3, vous vous rendez compte? 3. C'est marrant, c'est toujours sur moi que le groupe s'acharne. Ah, vous avez trouvé une belle tête de turc, je vous le dis. Ça va, vous avez de la chance que je sois pas susceptible. Vous savez ce qui serait formidable, là maintenant? Eh bien, ce serait que Bob réussisse, là on s'est tous plantés. Oui, je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire, elle dit ça parce que Bob l'embrassait tout à l'heure. Eh ben, pas du tout. Franchement, je trouverais génial au niveau humain que 5 personnes
qui ne se connaissait pas il y a 2 heures, en est d'une autre à se surpasser pour tordre le cou une bonne fois pour toutes à ces saloperies de toc. Personnellement, si Bob arrivait à un résultat concret, là, maintenant, devant nous, je serais plus triste d'avoir raté. Et surtout, surtout, je serais fière de l'avoir aidé à gagner cette bataille contre lui-même. Car non seulement ça l'aiderait à reprendre confiance en lui, mais en plus, ça redonnerait de l'espoir au groupe tout entier. Vous savez ce qui serait formidable là? Oh putain, deuxième service. Eh bien, ce serait que Bob réussisse et on s'est tous plantés. Oui, je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire, elle dit ça parce que Bob l'a embrassé tout à l'heure. Eh ben, pas du tout. Personnellement, ça ne me gêne pas qu'elle répète ce qu'elle a dit. C'était tellement joli. Ah oui, mais c'était magnifique, hein, le pied du cœur, vraiment. Oui, c'était super, c'est vrai, mais en attendant, ça fout la pression grave. Mais son pire, c'est pas mon enfant. Moi, au moins, je vous écoute, c'est amusant. Tout le monde a adoré sa tirade et quand elle la répète, tout le monde par-dessus. Non, mais là, c'est parce qu'on sait déjà ce qu'elle va dire. Alors, il y a quand même moins de suspense la deuxième fois. Ça redonnerait de l'espoir au groupe tout entier. Et une salope, Panthéa, c'est une. Merci, ça nous manquait. Lily, merci pour les encouragements. Franchement, ça me va droit au cœur, mais si je rate, faudra pas m'en vouloir. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Bonne chance. Bonne chance. Et allons-y, c'est bisous à tous les étals maintenant. Jalouse. Oh, méfiez-vous, je comprends le latin, vous savez. Ça veut dire « regarde dans ton rétro, sale pétasse ». J'y vais. J'y vais. Et maintenant, il faut attendre Blanche en plus. Vous allez voir, vous allez faire louper mon train avec vos âneries. Mais vous inquiétez pas pour votre train, je gère. Quant à Blanche, elle va réapparaître dans très exactement 23 secondes. Juste le temps pour moi de briefer Bob. Tant, 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 tant. Bonjour, monsieur Bob. Votre mission, si vous l'acceptez, consiste à marcher sur les lignes qui sont sur le sol. Attention, j'ai bien dit toutes les lignes. Les petites, les grosses, les droites et les obliques. Toutefois, si vous-même ou l'un de vos collaborateurs était pris, nos services n'iraient avoir eu connaissance de vos agissements. Attention. Attention, cette conversation s'auto-détruira dans 5 secondes. 3. 1. Ah, ça rigole bien à chaque fois que je reviens des toilettes. Hein, Vincent? Non, rigoler, c'est vrai, mais pas contre vous. C'est promis. Eh oh, Bob doit marcher sur les lignes. Ah oui. Je me doutais bien que ce serait ça, son gage. Non, mais c'est pas un gage. Bon, on n'est plus en train de jouer, là. À partir de maintenant, ça rigole plus. Pas vrai, petit? Oh, putain, la pression. Allez, top chrono. Allez, fils, on est tous derrière toi. Allez, Bob. Allez, on va courir. Allez, Bob, allez. Allez, allez, Bob, allez. Bob, allez. Bob, vous pouvez le faire. Vous devez le faire. Pour nous. Pour le groupe, pour le groupe, pour Jésus. Stop. Carton jaune. Pas de publicité clandestine pendant le travail. Interdit. Oh, oui, ça va. Non, c'est vous verrez bien. Non, je peux pas, c'est trop dur. Mais... tente un truc, bordel! Non, je peux pas, je vous dis, je suis complètement bloqué. Mais une ligne! Une seule! Allez, Bob. Pour me faire plaisir. Allez, Bob. Pour me faire plaisir. Ok. Mais une petite, hein? Allez, juste do it, comme disent les jeunes! Lily, si je le fais, j'aurai le droit à une autre bise? Deux même. Deux même. Ok. J'y vais. C'est quand tu veux, mon gars. On est prêts, là. Encouragez-moi encore. Allez, 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 bloqué. Bon, si je te poussais. Non, s'il te plaît, tu fais pas ça. Enfin, non, là, je crois pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi s'il n'est pas capable de prendre la décision tout seul, on peut l'aider, non? Attends, non, je t'ai dit non. Il faut que ça vienne de lui. Mais bien sûr. Allez, on encourage encore. Allez, on encourage.
voudra jamais. Bon, allez, pop, faut y aller. Allez, pop, 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 allez, allez, pop, allez, 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 c'est fini. Game over. De toute façon, le temps était écoulé, hein. Oui, j'en étais sûr. Maintenant, je vous ai tous déçus. Désolé. C'est pas grave. C'est pas grave. Faut dire aussi que passer le dernier, hein, c'est pas évident non plus. Je me serais sûrement bloqué pareil si j'étais passé le premier. Ça, on peut pas savoir, à moins de recommencer à l'envers pour voir. Montre-moi. Oh, mais ça va, vous nous faites chier avec votre train. Vous ne pouvez pas dire desséqué comme tout le monde. Eh oui, on sent quand même un minimum de correction. Culé. Ah bah non, moi je dis chier parce que là, j'en ai plein le cul. Vincent, arrêtez un peu d'énerver Marie. Vous voulez qu'elle nous refasse une crise de catalepsie ou quoi? Ah, mais ça va, son cinéma, on le connaît, là. Son cinéma. Son cinéma. Là, papa, tu pousses un peu. C'est honteux de dire une chose pareille. Non, mais Vincent n'a pas voulu dire ça. Si, si. Vous brûlerez en enfer pour votre méchanceté! Eh ben comme ça, j'aurai chaud au cul! C'est pas comme d'autres! Et il continue en plus! Tiens, si j'allais pas faire une salière, je vous giflerai! Si vous faites ça, je vous jure dessus! Oh! Ah, le porc! Ah, le porc! Le porc est en merde! Là, papa, tu vas trop loin! Ouais, je suis taxi, c'est automatiste! Satan! Sors de ce corps! J'avais raison, Satan m'a bite. C'est lamentable, c'est lamentable. Oh, ça va, le perroquet. Coca, d'accord. Je sais pas ce qui me retient de te casser la gueule. Mais bon, moi je sais, c'est les lignes. Bon, alors Vincent, on avait bien dit qu'on ne se moquait pas. Eh ben moi je me moque. Alors faites attention à ne pas décevoir le groupe. Mais le groupe, je l'emmerde. Moi j'ai des gros mots quand je veux, j'ai des cul face si je veux, et j'ai peur ni des lignes, ni des microbes, et ni du bon Dieu. Ah, vous jouez au type sympa comme ça, mais la finale, vous êtes une vraie peste. Oh là là, la peste, quelle horreur. Et je sais de quoi je parle, je l'ai. Oh non. Et j'ai pas que ça, c'est aussi les oreillons, la rougeole, la scarlatine, la lèpre, le palu, le choléra. Mais j'ai de la peste aussi. C'est pas vrai. Si, plus qu'à les génitales, les deux. Écoutez-moi bien, parce que je le répéterai pas deux fois. Bonjour la crédibilité. C'est pas parce que vous êtes plus âgé que Bob Blanche ou moi qu'il faut vous croire tout permis. Et je vous préviens, la prochaine fois que vous osez vous en prendre à quelqu'un du groupe, moi je prends le sac de Marie, je mets un presse-livre dedans et je vous éclate les noix avec. Compris, Rainman? Oh. C'est pas parce que vous êtes... Non, Vincent. Désolé, mais j'ai pas envie d'entendre ça une deuxième fois. Laisse-la sortir immédiatement. Deux secondes, j'attends qu'elle finisse. Ah, si j'étais un homme. Je serais capitaine. D'un bateau. Bon, laisse-la sortir maintenant. Et surtout, excusez-vous. Je m'excuse. Mieux que ça, mieux que ça. Je suis désolé, j'ai craqué, mais c'est cette séance qui m'a mis les nerfs. C'est pas une raison pour se venger sur nous. Bon, désolé les enfants, mais là, j'ai été très con sur ce coup. Oui, con, comme un taxi. Eh oh,
Elle est où la charité chrétienne? Dans ton cul. Il y a un problème? Non, mais pourtant j'ai entendu des coups. Non, vraiment, là je suis désolé. Là je reconnais que j'ai merdé. Je voulais tellement que tu y arrives. Bah, moi aussi. J'aurais même mis un billet là-dessus. Bah, moi aussi. Et un gros, en plus. Toi aussi. Pourtant, c'est pas faute de l'avoir encouragé. Ah oui, ça, tout le monde a donné de la voix. En fait, Bob, on vous a encouragé combien de fois? Qui il est? Vincent. Oui. On l'a encouragé combien de fois? Chacun. Mais non, tout. En tout. À la louche, bien sûr. À la louche. Je sais pas. Et chacun? Chacun? Je sais pas non plus. Alors, seulement vous? Seulement moi? Mais non, même ça. Et comment ça se fait? Eh ben, ça se fait... Oh, j'ai pas compté. J'ai pas compté. Comment vous, Vincent, vous n'avez pas compté? Mais non, j'y ai pas pensé. Je m'excuse. Mais c'est génial, quoi, que je m'excuse. Mais non, que vous n'ayez pas compté. Venant de vous, c'est surprenant. Mais comment se fait-il que vous n'ayez pas compté tous nos encouragements? Vous qui comptez absolument tout. Mais je sais pas. J'étais focalisé sur le petit. Et tout ce que j'avais en tête, c'était qu'il marche sur ces putains de lignes. Et le reste... Et si c'était ça, la solution? Quoi? Je sais pas, on a pu penser à soi, à s'oublier. Pourquoi vous dites ça? Mais elle a remarqué tout à l'heure. Non. Personne. Mais non, mais quoi? Bah non, mais fallait remarquer quoi? Bon, bah, tout à l'heure, quand Bob a couru chercher un verre d'eau pour Marie, qui s'est tout fait. Eh ben, il a marché sur les lignes. Mais oui, c'est vrai. Et pas qu'une en plus. À la louche, j'ai entre 16 et 18. Non, mais tu t'en es rendu compte ou pas? Non, pas du tout. Non, mais tu t'en es rendu compte ou pas? Non, Marie était en train de s'étouffer, alors moi j'ai pari au plus pressé. Mais alors ça veut dire que Bob a réussi. Oui, pas au moment où il attendait, mais il a vaincu les lignes, hein. C'est un fait. Mais ça compte, ça, quand c'est pendant le tour d'une autre personne? Bah, et pourquoi ça compterait pas? Bah, et pourquoi ça compterait pas? Le principal, c'est le résultat. Tout à fait, tout à fait. Bah alors, moi aussi j'ai réussi, puisque j'ai pas compté tous vos encouragements. À qui devait y en avoir au moins 125, facile. Oh, finalement, 2 sur 6 n'est pas si mal. Ce n'est déjà plus le fiasco annoncé. Et annoncé par qui? Je n'y croyais pas, c'est vrai, mais force est de constater que 2, c'est déjà très bien. 3, c'est encore mieux. Et 3, c'est encore mieux. Pourquoi 3, il y en a un troisième? Non, pas un troisième, une troisième. Non, pas un troisième, une troisième. C'est qui? C'est vous, Blanche. C'est vous, Blanche. Ah bon, c'est moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Eh ben, tout à l'heure, quand j'ai pleuré, vous m'avez réconforté et vous m'avez serré les mains très fort. Et après, vous ne vous êtes pas lavé les mains. Ah bon, vous êtes sûre? Eh ben, tout à l'heure, quand j'ai pleuré, vous m'avez réconforté et vous m'avez serré les mains très fort. Et après, vous ne vous êtes pas lavé les mains. Ah, là, si on décale tout d'une phrase, on est mort. Tout à fait sûr. Tiens, qu'est-ce que je disais? Mais pourquoi vous vous êtes pas lavé les mains ce coup-ci? Ben, elle y a pas pensé parce qu'elle était focalisée sur Lily. Voilà. Attendez, mais c'est énorme là ce qui se passe. On croyait que tout le monde avait raté, mais finalement c'est tout le contraire. Ah, mais ça, dès qu'on arrête de se regarder le nombril. Ah, vous êtes nombril, vous? Ben oui. Et vous avez déjà eu un pénis dans votre pubis? Mais vous, vraiment, on vous donne ça et vous prenez ça. Non, mais c'est vrai que d'habitude, quand quelqu'un me touche, quand je touche quelqu'un, après je me lave les mains et là, bizarrement, ça m'a même pas effleuré. Je sais pas pourquoi. Oui, ben moi je sais. C'est parce qu'en prenant la main de Lily, vous lui avez donné de l'amitié. L'amitié, ce n'est pas sale. Oh putain, c'est beau et on dirait du pagnol. Bon, ben mine de rien, on est quand même à 50% de réussite. Et on oublie peut-être quelqu'un. Sûrement. Oh non, mais c'est génial cette séance de rattrapage. Bon, à qui le tour? Continuez sans moi, je reviens. Ça bosse bien là. Si vous ratez celui-là, vous prendrez le prochain, puis c'est tout. Le prochain? Il est notre bonnet. Pourquoi pas celui d'après pendant que vous y êtes? Oh, mais c'est quel train d'abord? Quel horaire? Quel gars? Paris Melun, 18h23, gare de Lyon. Gare de Lyon? C'est pas vrai. Mais si. Eh. C'est ma gare, ça? Fume! C'est du belge!
appuyé sur le top pendant une seconde. C'est qui? C'est Marie. Oh oui, c'est moi. C'est bien, quel bonheur, mais quand ça? Eh ben au tout début, à un moment donné, sans le vouloir bien sûr, Fred, vous avez traité Marie de sac à merde. Oui, c'est vrai, je me souviens. Bon, ben, c'est possible, et alors? Et alors? Elle a pas vérifié son sac. Mais pourquoi elle aurait dû le faire? Mais pourquoi elle aurait dû le faire? Mais parce que chaque fois que quelqu'un prononce le mot sac, elle se jette sur le sien pour tout vérifier. C'est comme un réflexe. Tiens la preuve. Ah non, mais là, c'est parce que je me demandais si j'avais bien mes... Mais c'est bon, je les ai. Marie, est-ce que vous vous souvenez pourquoi vous n'avez pas vérifié votre sac à ce moment précis? Mais à vrai dire, j'étais tellement outrée que... Je n'y ai même pas pensé. Bon, en admettant que Marie a elle aussi combattu son toc, eh ben, il reste plus que deux personnes, vous, Fred et Lily. Oui, mais au moins, je compte pas, hein, je l'ai déjà dit. Dans ce cas, essayant de voir où et quand, Lily a fait un effort. Ah non, mais moi, depuis le début, j'ai absolument tout répété. Ah non, mais moi, depuis le début, j'ai absolument tout répété. Attends, tu pars battu, là. Ah, il l'aime, ça, Lily. Hein. Oh, hey, oh, est-ce que tu peux être lourdeau, des fois? Mais ça va, y a pas de honte à être attiré par quelqu'un. Mais j'ai pas honte. Et d'ailleurs, si Lily a envie qu'on se revoie, mon numéro de portable est le 06 12 80 18 23. Pour le moment, c'est pas le propos. 06 12 80 18 23. 06 12 80 18 23. Eh, bah, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Vous allez voir qu'on va finir par les marier, ces deux-là. Pas forcément. Si ça se trouve, ils vont vivre dans le péché. Lily, t'es sûre que depuis que t'es avec nous, t'as absolument tout répété? Tout, tout, tout. Tout, tout, tout. Tout, tout, tout. Tout sauf deux lettres. Quelle lettre? Juste une syllabe. Quelle syllabe? Pi. Pi, mais c'était quand ça? Pi, mais c'était quand ça? Ah oui, je sais, c'était pendant le tour de Vincent, même qu'il a dit 3-14. Et encore, je vous ai épargné toute la tartine après la virgule. Mais ça compte, ça, deux lettres? Mais ça compte, ça, deux lettres? Eh bien sûr que ça compte. Oh non, mais vous êtes vraiment trop mignons, tous les deux. À moins que vous ayez de l'herpès ou quelque chose comme ça. Eh ben moi, je sais pourquoi elle a pas répété pi. Bah voyons, revoilà monsieur Vincent dans toute sa splendeur. Toujours plus fort que tout le monde. Mais réfléchissez, si Lily avait répété pi, ça aurait donné pipi. Et elle est bien trop polie pour dire un truc pareil, CQFD. Lily, dans l'alphabet, quelle est la lettre qui vient juste après le J? Quelqu'un? Ok, autant pour moi, j'ai rien dit. Non, mais à mon avis, c'est comme pour nous. Elle était dans le feu de l'action, concentrée sur Vincent. Et juste pendant une seconde, elle a oublié son toc. Oui, bah une seconde, ça fait pas beaucoup quand même. Oui, bah une seconde, ça fait pas beaucoup quand même. Ok, mais ça t'est arrivé combien de fois depuis 10 ans? À la louche. Jamais. À la louche. Jamais. Alors cette seconde, elle est très précieuse. Parce que c'est de l'espoir en branche. Tu comprends ça? Hé, hey, si tu comprends, dis-moi juste oui. Une fois, une seule fois. Oui. Que tout le monde va rentrer chez soi avec un bon espoir de régler son problème. Oui, tout le monde, sauf vous. Je te bouffe le cul. Seigneur! Non, mais moi, je... Moi,
je suis sûre qu'à un moment comme nous, vous avez réussi à vous contrôler. Oui, c'est vrai, elle a raison, elle a raison. Je veux bien, mais quand? Ça, je sais pas, mais on peut prendre 2 secondes pour gamberger. Allez, mais allons, 2 secondes, parce que moi j'ai un train. Je le savais. Je vais voir le docteur. Il sort de l'avion et il arrive. Oh, l'enculé. Enculé. Il vous demande de bien vouloir l'excuser pour tous ces contretemps indépendants de sa volonté. Et il espère que vous pourrez tous l'attendre. Ben, il est où, là? À Roissy, il saute dans un taxi. Bon, tu parles à ce temps-là avec le bordel. Il y en a moins pour 1 heure minimum. 1 heure? Impossible, j'ai un train, moi. Ben, vous l'avez raté, votre train. C'est pas vrai. Mais si, depuis 10 bonnes minutes, en plus. Mais vous m'avez dit que vous me diriez. Eh ben, je vous le dis, vous l'avez loupé. Super sympa, je sais que vous allez où. Chez moi, malin. Oh là là, mais c'est la province, ça, ça va douiller grave. Allez, je suis pas chien, je ramène jusqu'à votre domicile avec mon automobile. Mais je peux pas prendre un taxi. C'est gratuit. Ah oui. Ah, c'est gentil. Vous allez voir qu'ils vont finir ensemble, ces deux-là. Mais non, c'est juste un coup comme ça en copain. Mais je déconne. Non, j'ai assez attendu pour aujourd'hui. Mais vous pouvez lui faire une commission pour moi? Bien sûr. Alors dites-lui que je le remercie de ne pas être venu, parce que je sais pas ce qu'on aurait fait avec lui, mais franchement, ça m'étonnerait que ce soit aussi fort que ce qu'on a fait sans lui. Bravo, bravo, bravo. Dites-lui aussi que j'étais contre au départ, mais totalement pour à l'arrivée. D'accord, je lui dirai. Alors, et quant à moi, dites-lui que triple fion. Non, pas ça. Dites-lui. Bon, après tout, je lui dirai moi-même. Quoi, vous allez l'attendre? Eh, n'oubliez pas, je suis à la retraite, j'ai tout mon temps. Puis je vais vous dire une chose. Je ne renonce pas à une petite consultation privée, ne serait-ce que pour savoir ce que ce grand spécialiste va me dire. Mais je ne doute pas qu'il soit bien moins fort que vous. Il faut régler quelque chose. Oh non, non. Bien sûr que non. Encore heureux. Encore heureux. Bon, les jeunes, hein, je vous jette aussi. Profitez-en, c'est open bar aujourd'hui. Ah non, non, moi c'est bon. Pas me dépose en scooter. Ah non, non, moi c'est bon. Pas me dépose en scooter. Bon, ben au revoir. Au revoir, au revoir. Ah ben non, 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 moi c'est 4. Ah ben oui. Je vous jette aussi? Non, merci, j'ai ma voiture. Et c'est quoi, une ambulance? Bon, ben Fred, au revoir. Fils de pute! Merci, Fred, c'est gentil. Moi aussi. Je vous oublierai jamais. Tenez, je vous donne ma carte. Si un jour vous avez besoin d'un taxi, surtout ne m'appelez pas, parce que je serai sans doute occupé, mais si vous voulez parler à un ami, eh ben, c'est le même numéro. Merci, Vincent. Merci, vraiment. Merci. Tiens, toi aussi. Merci, merci. Dans la poche. Je suis ravie de vous connaître. Vraiment. Je suis ravie de vous connaître. Vraiment. Moi aussi, charmant Élie, vraiment. Vraiment. Tiens, toi, je t'en donne 2. On se connaissait pas ce matin, mais ce soir, vous ferez partie de ma vie. Pareil pour vous, Bob. Non, pas de bisous. Je voulais juste vous dire, c'est pas parce qu'on s'en est pas rendu compte que vous n'avez pas réussi à vaincre votre toc à un moment donné. Merci, Blanche. Ça me touche beaucoup.
Pour une fois que je peux toucher quelqu'un. Au revoir. 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 Mon idole. Fred, permettez-moi de vous faire un petit cadeau. Comme c'est gentil. C'est une image du Padre Pio. Et allons-y, les produits dérivés maintenant. C'est sans garantie, mais ça peut peut-être vous aider. Merci, je le garderai toujours sur moi, dans le doute. Ah, Padre Pio. Ah, évidemment, vous ne savez même pas qui c'est. Oh, moi, vous savez, les remplaçants. Hein. Mais il fait mal! Mais non, c'est juste un coup, comme ça, en copain! Allez! En voiture, Simone! Pousse ta gueule! T'encule, salope! Vous m'avez appelé, docteur? Hein? Non, 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 non. Ah, mais si, 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 si! Si, si, vous pouvez venir. Vous pouvez venir, j'ai fini mes notes. Tenez, vous pouvez les donner à taper et envoyer le tout à mon bureau, à Vienne. Bien, docteur. Bon groupe, non? Oh. Enfin, d'après le peu que j'en ai vu. Excellent groupe, vraiment le meilleur que j'ai vu cette année. Je crois qu'ils étaient encore meilleurs que ceux de Bruxelles de l'année dernière. Hé, hé! Peut-être même que ce Paris. Vous n'êtes jamais aussi bon que lorsque vous travaillez dans votre langue maternelle, vous le savez bien. Rappelez-vous de la séance de Lausanne d'il y a 2 ans. Oh oui, Lausanne. À mardi, nous serons à Barcelone. Séance à 15h30, vous vous souvenez? Claro que si.